Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va faire partie des exercices avec premier exercice, donc diagonalisation. Bien sûr, l'exercice, ça, bien sûr, il est important. Pourquoi? Parce que on fait bizarre via les méthodes. Donc, on va faire de nous. Okay. Et bien sûr, les exercices, les régions, on va faire des examens ou des concours. Okay. Et bien sûr, on va faire l'exercice, on va faire les exercices, les régions, on va faire. Alors, je fais mon coup de souhait. Okay. Donc, on va faire la soit F. Un endomorphisme, bien sûr, défini de R3 vers R3, soit C égale E1, E2, E3, la base canonique de R3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire E1 égale à vecteur colonne 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. OK? A égale à la matrice de F dans la base C, bien sûr, base canonique, égale A, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, A. Avec A supérieur strictement à A. A, bien sûr, rien. OK? Supérieur strictement à une condition, bien sûr, moyennement. Ok? Première question, calculer, déterminer le droit. Bien sûr, on a bien sûr trois méthodes qui fonctionnent, bien sûr, chapitre des déterminants. Mais, faites le cap d'up. Donc, cette matrice qui est en train de faire une méthode qui est simple, mais c'est pas d'eau. Yani, qui fait que je trouve question sur le régime, on déduit pour les noms caractéristiques de A. Donc, il y a une synthèse déterminée. Donc, le système, par exemple, méthode de Charisse, il y a ça, a fois a, c'est-à-dire 1 moins puissance 3, 1 fois 1 fois 1, 1 fois 1 fois 1, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça. Même réflexe de Boyle. Elle est ce qui est un bien sûr, un lexique qui compte développer. Ok? Il y a une chose. Donc, on a un lexique qui compte même. Elle est ce qui est tout, les valeurs propres, ou là, les racines des polynômes caractéristiques. Bien, donc on va faire une méthode de Nisbelhead. Bien sûr, première question. Donc, on va faire déterminant. A, donc égal, bien sûr, A, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, A. Oui. On va faire une Nisbelhead. Je vais mettre les colonnes C1, par exemple C3. Reçoit C1 plus C2 plus C3. Là, de ma bien. A plus 1 plus 1. Il y a A plus 2. 1 plus A plus 1. Il y a quoi? Il y a obtenu A plus 2. 1 plus 1 plus A égale aussi A plus 2. Donc, elle dit, ouais, elle remarque les importants. Donc, elle dit, l'opération les rendir. Donc, là, de ma bien. On fixe première ou deuxième colonne. A, 1, 1. 1, A, 1. Nisbah, la méthode, bien sûr, mais si qui compte, bien sûr, ça sera bien sûr d'autres 3. Il y a d'autres 4, d'autres N. Donc, la méthode, bien sûr, qui redonne toutes les autres. Okay? Et bien sûr, on a A plus 2, A plus 2, A plus 2. Bien, déterminer, bien sûr, est-ce qu'on a une colonne? Nous devons bien sûr faire ce scalaire. Donc, avec ce scalaire, il y a un déterminant, déterminant. C'est-à-dire A plus 2 fois le déterminant de A 1, 1, 1, A 1. Et si ce n'est pas 1, 1, 1. Bien. Donc, là, on va dire. Donc, de même, parce que tu as 1, 1, 1, on s'est mis la troisième colonne. Parce que nous avons 1, 1, 1, 1. Là, parce que nous avons la matrice. Triangulaire supérieur ou inférieur. Donc, par exemple, on a un triangulaire supérieur. Donc, là, on a de l'opération, on dire A plus 2. Donc, l'opération, on dire C1 reçoit C1 moins C3. Et C2 reçoit C2 moins C3. Donc, là, on a A moins 1. 1 moins 1, donc 0. 1 moins 1, donc 0. 1 moins 1, donc 0. A moins 1, donc égal à quoi? 1 moins 1, 1 moins 1, donc 0. Et 1, 1, 1. Donc bien sûr, matrice triangulaire supérieure. Donc déterminant de la matrice triangulaire supérieure égale au produit de la diagonale, des éléments dans le diagonale. Donc égal à A plus 2 fois bien sûr 1 moins 1 fois 1 moins 1 fois 1, c'est-à-dire 1 moins 1 puissance 2. Bien, donc déterminant. Première question, déterminant. De A égale A plus 2 fois A moins 1 au carré.
Bien. Donc, deuxième question, on déduire polynôme caractéristique de A. Bien sûr, polynôme caractéristique de A égale quoi? Bien sûr, égale aussi polynôme caractéristique de F. Donc, je fais si court, donc ce n'est pas la peine de prendre au dernier moins. Donc, je mets ce qu'on peut, tu vois. Donc, égale polynôme caractéristique de A égale quoi? Égale déterminant de A moins, bien sûr, x fois l'identité, bien sûr, matrice identité d'ordre 3. Ok? Donc, ça, x. Bien sûr, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déterminant, bien sûr, rancos x, diagonale rancos x. Donc, là, a moins x, a moins x, a moins x. Donc, la même manière qui veut donner la méthode, tout simplement, on va le وغنجي نعوض هنا بيان سيغ لاحظوا معايا فاش كانت ا ا ا عطاتني هذه الاكسبرسيون دونك هنا عندنا ا موان اكس ا موان اكس ا موان اكس دونك تو سامبلومون غادي نعوض ا ب ا موان اكس يعني ايكال ا موان اكس بليس دو فوا ا موان اكس موان زان اوكا تو سامبلومون هذه هي بوليون كارسيس هذيك سيس قال لك اون ديدوير بيان سيغ شوف اون ديدوير دونك استعمل كيسيون بريسيدون دونك ا موان x, on va dire a plus 2 moins x, a moins 1 moins x, fois a moins 1 moins x, bien sûr, puissance 2. Bien, donc je vais dire que tu fais. Bien, donc que tu fais. Très bien. Donc ça, donc on dit bien sûr pour les noms caractéristiques. Donc ça, ici. Donc je mets le droit de bien sûr méthode d'IL. Déterminant, ou bien sûr, méthode dire qu'il fait un syndrome pour les noms caractéristiques, mais déterminant. Bien sûr, parce que je compte, il y a des colonnes, parce qu'il y a des colonnes, bien sûr, 9 termes, ou 9, bien sûr, valeurs. Okay? Bien, donc, troisième question, déterminer les valeurs propres de A. Donc, tout simplement, bien sûr, question par-ci, parce que c'est le polynôme caractéristique, donc, bien sûr, les valeurs propres, là, on met les racines du polynôme caractéristique. Donc, bien sûr, il y a deux racines, donc c'est-à-dire deux valeurs propres. Les valeurs propres. Donc, il y a lambda 1 et lambda 2 égale à quoi? Donc, lambda A, bien sûr, égale à A plus 2. Et lambda 2 égale à A moins 1. Bien sûr, avec multiplicité de lambda 1. Égale à quoi? Égale à 1. Et la multiplicité de lambda 2 égale à 2. Oui ou non? Très bien. Parce qu'on a, a au carré, on a 1. Bien sûr, parce qu'on a au carré, c'est-à-dire a moins 1 moins x divise polynôme caractéristique, alors de multiplicité 2. Ça, de multiplicité 1 par 5 puissance 1. Ok? Bien. Donc, quatrième question, calculer les sous-espaces propres associés. C'est-à-dire, sous-espaces propres associés à lambda 1. Et sous-espace propre associé à lambda 2. Donc, quatrième question. Les sous-espaces propres. Qui peut me finir une fois l'exemple, le dernier exemple dans le cours. La même si un principe simple. Okay? Donc, V lambda 1 égale à tout simplement R de A moins lambda 1 fois l'identité. Très bien. Donc, soit, par exemple, V égale à, par exemple, vecteur colonne X, Y, Z appartenant à V lambda 1. Donc, il vaut quoi? C'est-à-dire A moins lambda étroit appliqué à la fois V, bien sûr, vecteur fois V, donc égale 0. Tout simplement, donc, bien sûr, ça, 0 de R3. Donc, c'est pas la peine de prendre les comptes, donc c'est de R3. Donc, c'est-à-dire A fois V égale lambda, bien sûr, lambda 1 ici, fois V. Bien. Donc, tout simplement, on va le produit de A fois V. Donc, il y a A fois V égale à quoi? AX plus Y plus Z. Oui, oui. Et X plus A, Y plus Z. Et x plus y plus az. Bien sûr, derrière,
Je vais te dire, je vais te produire.